Ça fait déjà 4 jours passés depuis la disparition du journaliste Pius Manzikala de la Rwenzori Revue sur Radio Mutwanga. Une crainte gagne encore les esprits de ses collègues qui évoquent les difficultés d'exercer leurs fonctions, selon Ricardo Rupande, directeur de la RVR. On a été touché psychiquement, psychologiquement, on n'est pas stable. Nous avons des éditions de journaux qui se passent chaque nuit, hein, à 21h. Et aujourd'hui, on a supprimé cette édition-là, de la nuit. Il est difficile maintenant pour les journalistes de quitter la radio après 19h. Tout le monde a peur et tous les journalistes quittent. Aujourd'hui, il est difficile de tenir une émission le soir. Ça devient très difficile, même pour nous, de vérifier les informations. Une information qui peut être à 3 km de nous ici, il est difficile que nous la vérifions. Parce que nous avons peur. Nous croyons que nous serons aussi pris en otage. Allez-y comprendre dans quel climat nous sommes en train de travailler maintenant aujourd'hui. Même si l'armée a annoncé depuis le dimanche la mort du journaliste Manzikala, étant donné que son corps n'a pas encore été retrouvé, sa famille biologique et professionnelle espère encore de le voir retourner vivant pour qu'il continue à servir la communauté. Ricardo Rupande. Nous continuons à présumer. Et c'est une présomption, nous le disons, réfragable, qu'il peut y avoir de preuves contraires. Mais jusqu'aujourd'hui, notre frère reste en captivité, donc en vie. Aux ADF, il est temps de relâcher le journaliste qui a un grand travail à faire. Regardez à la radio où vous êtes maintenant. Ces émissions sont là, elles sont en train de chômer. La grille de programme avait déjà repris son nom. Qui va nous aider à faire ce travail? Tout le monde est en train de craindre maintenant de devenir journaliste. Moi, je pense qu'il faut qu'on adonne une autre image. Que ce soit du côté rebelle, que ce soit du côté gouvernemental. Il suffit de rappeler que le journaliste Pius Manzikala était porté disparu le vendredi 11 décembre 2020 par des assaillants présumés ADF lors de leur incursion dans le village Kasusunzenga 1er, secteur de Rwenzori, dans le territoire de Beni.